Bonjour à tous les enfants, c'est Chris et bienvenue sur Wushu Tao. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement spécial enfants et familles. Bon, l'âge préconisé, c'est 6 à 12 ans. Néanmoins, si tu as 5 ans ou 15 ans ou 20 ans ou 30 ans ou 50 ans, vous pouvez venir, vous êtes tous les bienvenus puisque vous pouvez pratiquer ce petit cours de Kung Fu en famille. Par contre, il y a deux critères qui sont obligatoires, qui sont imposés par la loi. Si tu es mineur et que tu veux pratiquer le Kung Fu avec moi via cette vidéo sur cette chaîne, il te faut normalement une attestation médicale qui atteste que tu peux pratiquer le Kung Fu sans danger puisque tu n'as pas de contre-indication. Ça veut dire que tu es en bonne santé, en bonne forme. Cette attestation est obligatoire si tu veux pratiquer n'importe quel sport. Ensuite, deuxième critère, vu que tu es encore un petit peu jeune, il te faut obligatoirement la présence d'un adulte à tes côtés, au cas où tu te blesserais pour t'épauler, te conseiller, t'aider, etc. Ceci étant dit, maintenant tu peux te préparer, donc te mettre en tenue de sport ou en tenue de kung-fu si tu pratiques déjà. Il va te falloir également un petit peu de matériel. Il va te falloir une couverture assez épaisse à mettre au sol pour faire les roulades, sinon tu vas te blesser. Ensuite, il va te falloir deux objets qui vont te permettre d'être utilisés comme des plots posés au sol pour pouvoir te déplacer autour, à l'aide toujours de ton accompagnateur, donc un parent, un adulte, un grand frère. Il va falloir que tu prépares une surface d'à peu près 3 mètres sur 3 mètres. Attention, tout autour, il ne faut pas de meubles ou de tables ou d'angles ou de coins de table qui pourraient être dangereux en cas de chute. Il faut que tout soit sécurisé. Dans le pire des cas, tu peux mettre des coussins également tout autour, on ne sait jamais. Et enfin, dernière chose très importante, afin de pouvoir t'hydrater tout au long du cours, une gourde ou une bouteille d'eau. Allez, je te laisse 1 minute pour mettre tout ça en place, te préparer et on va commencer. Ça y est, tu es prêt? Bon, ben allez, c'est parti, il n'y a plus qu'un, on va commencer. Hippé! Et c'est parti! Tout d'abord, vous le savez, il faut saluer. Ok, c'est très important. Pour ceux qui ne connaissent pas le salut, je vous mets le lien juste ici pour apprendre le salut. C'est important. Allez, Hippé! Chingli, salut! C'est bien! On peut commencer l'entraînement. C'est parti. Allez, c'est parti. On va d'abord s'échauffer toutes les articulations. D'accord? Allez, avec moi ici. La tête devant, derrière. Je regarde à gauche, à droite. Devant, derrière. À gauche, à droite. Allez, les épaules vers l'arrière. Voilà. Parfait. Les épaules vers l'avant. Les bras sont le long du corps. Regardez, je fléchis un petit peu les jambes. Faites comme moi. Allez, très bien. Ok. Ici, les poignets. Et on change de sens. Ici, les coudes. Ok, c'est bien. Toujours les jambes fléchies. Regardez mes jambes. J'écarte un peu les pieds, je fléchis mes jambes. Ici, je tends les bras. Hop, je tourne. 1, 2, 1, 2, I. Je regarde derrière. 1, je regarde derrière. I. Je regarde derrière. 1. Les bras sont tendus comme ça. I. 1. Ok.
position du cavalier ma roue. Si vous ne connaissez pas les positions, le lien est ici, il faut que vous appreniez les positions. Alors, position ma roue, je pars pieds joints, j'écarte une fois, j'écarte deux fois, j'écarte trois fois, j'écarte les talons quatre fois. Le dos est droit, je descends comme si j'étais sur un cheval. Voilà, c'est bien. On tend les poings. On revient. En sautant. Allez, encore une fois. 1, 2, 3, 4. On descend. Le dos droit, comme sur un cheval. On tend les bras. On revient. Ok. Ensuite, on écarte les jambes. Ici. Position Gong Bo. La position arc et flèche. Je me tourne vers la gauche. J'ouvre mon pied. Je plie la jambe. La jambe arrière est tendue. Le talon est au sol. Je regarde vers là-bas. Et je descends. Allez, on tient 10 secondes. 1, 3, 5, allez, courage, courage. 7, 9, 10. Ok, on change de côté. Ici, jambes pliées vers la droite. Le genou ne dépasse jamais le pied. Sinon, on s'abîme le genou. Jambes arrière tendues, talons au sol. Allez, 10 secondes. I, 1, 5, 6, 3, 4, 6, 7, 8. On revient. Ok, c'est bien. On relâche un petit peu, on sautille. Allez, on va se mettre en position papillon pour étirer un petit peu. Hop, c'est parti. Mettez vos pieds le plus près possible de vous. Le dos est toujours droit, les enfants. Les genoux descendent. On souffle, on descend. C'est parti. Gardez votre dos bien droit, pas le dos rond. Allez, on descend. Allez, allez, on tend les bras devant. On relâche. Allez, maintenant, prenez votre pied droit. On tend la jambe droite. C'est parti. Bien tendu, on descend. En expirant, je souffle par la bouche. J'attrape mon tibia si je ne suis pas très souple. Si je suis plus souple, j'attrape mon pied. Et si je suis encore plus souple et que j'en ai la possibilité, je l'attrape avec la main inverse. En expirant. Soufflez bien. Relâchez les enfants. Et le dos toujours droit. Allez, on tient, 10 secondes. Et on revient tout doucement. Voilà, sans forcer. On plie la jambe. On tend la jambe gauche. Allez, on descend. Étirez-vous. Soufflez. Expirez par la bouche, dos droit, on descend, la jambe est bien tendue, on souffle, comme notre jambe, si on n'est pas assez souple, on attrape le tibia, sinon on attrape le pied avec la main inverse. Allez, on tient 10 secondes, 1, 5,
Et oui, je compte en chinois. On relâche. Ok, c'est super les enfants. Maintenant, on va faire le grand écart facial. On écarte. Allez. Voilà, écartez bien, relâchez bien. Alors, les deux jambes sont bien tendues, les orteils bien vers le ciel. Ok, le dos est droit, on se penche en avant. Mettez vos mains devant vous. Pensez à bien expirer, on souffle par la bouche. Allez, on tient 10 secondes. Super, on revient. On se lève. On sautille. Ok les enfants, c'est bien. Allez, on continue. Pour le prochain exercice, on va travailler notre équilibre. On va sautiller et au signal, on se met debout sur une jambe en équilibre, on lève bien le genou, la pointe du pied vers le sol. Vous tendez vos deux bras ici comme ça avec la main bien en tranchant ou en blocage. Donc on est ici, d'accord? On relâche, on sautille. Et on change de côté à chaque fois. Hop, hop, et on relâche. Vous avez compris le concept? Vous avez compris l'exercice? Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Sautillez. I. On tient, on tombe pas. On reprend. A. Eh bien, travaillez votre équilibre. Sol. La jambe d'appui est bien tendue. On serre les fesses, le dos droit et ça nous tient. Regardez bien droit devant vous, bien loin devant vous. Sol. C'est bien, relâchez. Tenez avec moi. Ne redescendez pas votre jambe avant. Wow. On tient, c'est bien. On sautille. Bien. Allez, allez. Regardez bien loin devant vous. Bas. Fixez un point fixe avec vos yeux devant vous. Ça va vous aider. Jump. Et le dernier, chop. C'est bien. Ok. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais avec deux choses différentes. Au lieu d'avoir les mains ici et les bras ici qui vous aident un petit peu sur l'équilibre, vous allez mettre les poings aux hanches et vous allez bien serrer vos coudes vers l'arrière. Ok. Ça, c'est la première chose. Donc, on se retrouve dans cette position-là. Et ensuite, on donne un coup de pied sans force, 1, 2, en tendant la jambe et en conservant l'équilibre. Et on repose. Ok? Allez, je vous montre une fois. On sautille. I. Vous avez compris? Allez, ensemble. C'est parti. I. Tiens, on sautille. Ah! C'est bien les enfants. Sonne.
bien stable. Hein. Si vous êtes en déséquilibre, c'est que vous devez le travailler encore et encore. Sœur. Allez, on continue. Wow. On sautille. Yo. Allez, allez. Et la jambe d'appui bien tendue. Bas. Ça, c'est le coup de pied direct. Ciao. Allez, le dernier. On tient le plus longtemps possible. Ciao. On tend. On relâche. On pose. Ok. Super. Ok les enfants, c'est reparti. Là, on va apprendre à faire la roulade pour ceux qui ne savent pas rouler. D'accord? Pour ceux qui savent rouler, pas de problème. On roule. N'oubliez pas les enfants que vous maîtrisiez ou pas la roulade, il faut sécuriser l'emplacement où vous allez rouler. Donc vous mettez une couverture et à la limite des coussins et surtout pas de meubles autour. C'est important. On va voir la technique de profil pour que vous compreniez bien. D'accord? Je pose mon genou droit au sol. Je pose ma main droite au sol à plat. Ok. Là, je vais rouler sur mon bras gauche et sur mon épaule gauche. Ok. Je rentre la tête avec mon menton qui est collé à la poitrine ici. Enfin, je fais le dos bien rond et je pousse sur mes jambes. Dos rond, je rentre la tête, je pousse sur mes jambes. Et voilà. N'oubliez pas de rouler sur une couverture, voire sur des coussins, d'accord? Ok les enfants, maintenant on va les faire ensemble. Allez, le genou droit posé au sol. La main droite posée au sol. Je vais rouler sur mon bras et mon épaule gauche. Je rentre la tête, le dos rond et je pousse sur mes jambes. 1, 2, 3 et je roule. Pensez à expirer, à souffler par la bouche. Quand vous roulez, d'accord? Comme dans chaque effort d'ailleurs. Allez, encore une fois. Pour ceux qui savent rouler, vous roulez en même temps que moi. Jambe droite, main droite, bras et épaule gauche. Je rentre la tête, le dos rond et je roule. Ok. Super. Allez. Encore 3. On repart. Hyper. 1. Rentrez bien la tête. Le dos rond. On pousse sur les jambes. On expire. Je souffle. Allez, hyper. 1. Et on y va. Super. Allez, encore une. Super.
Ok, il est important de savoir faire une roulade, mais il est aussi important de savoir tomber en arrière. Donc on va essayer de travailler ça ensemble. On va essayer de tomber en arrière sans se faire mal. Pensez à mettre votre couverture, vos coussins. Je vous montre deux profils pour que vous compreniez bien les mouvements à réaliser. Ok, ici, je fléchis les jambes. Je mets les fesses le plus proche possible du sol. J'arme mes bras ici. Je rentre la tête. Ici, je colle mon menton à ma poitrine et je bloque ma nuque pour ne pas me faire mal justement à la nuque et au cou. J'inspire, j'expire, je souffle, je tombe. Et je tape sur les côtés. Ok? Alors, on refait une fois. Ensemble. Je rentre la tête et le menton. Je gaine ici, ma tête ne bouge pas. Je fléchis mes jambes. J'arme. Je pose mes fesses et ensuite mon dos touche le sol, déroule sur le sol. Ok, allez, encore une fois. I. J'expire en même temps lorsque je tombe. E. C'est bien. Gainez bien ici. Gainez bien ici pour que la tête évite de faire le coup du lapin. D'accord? Pour éviter de se blesser la tête. On gagne ici et la tête ne bouge pas. Allez. 5. Vu. Vous avez vu, ma tête n'a pas bougé. Encore. Allez. Encore 2-3 fois. J'expire. C'est bien. Encore une fois. Une dernière fois. Super. On passe à autre chose. Ok les enfants, allez, toujours motivés, on lâche rien, on n'abandonne pas, on donne tout, on se donne à fond. Maintenant pour cet exercice, vous allez avoir besoin de vos deux objets qui font office de plots. Nous allons travailler deux choses. Premièrement, les déplacements. Deuxièmement, la rapidité des coups de poing directs. Je vous explique. Vous avez vos plots ici, on fixe toujours devant soi. Les mains en garde, c'est-à-dire les poings bien hauts, les coudes bien resserré, voilà, et les bras devant vous, ok? Maintenant, on sautille, on se déplace, en faisant deux boucles, comme ça, on dessine un 8, d'accord, comme ça, hop, vous avez vu mes déplacements, je dessine un 8, ok, et à chaque fois qu'on passe au milieu, on donne 10 coups de poing directs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je continue. Un tour à gauche. Un tour à droite. J'arrive au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez compris? Allez, on le fait ensemble. Vous êtes prêts?
On part du centre, entre vos deux plots. En garde. C'est parti. On tourne. Hop. Hop. Essayez de regarder devant vous. J'arrive au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un tour à gauche. Je reprends. Un tour à droite. J'arrive au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue. 1, tour. 2, tour. On continue. Allez, allez. On se déplace, on se déplace. Touchez pas les plots. On frappe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tourne. On tourne. On tourne. Milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapide et puissant les coups de poing. D'accord? Allez, on continue. Allez. On tape fort. On tape fort. C'est bien. Allez. Voilà. Soutillez. Essayez de regarder devant vous. Regardez pas trop les plots. Sans les toucher. Et on frappe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue. Allez, encore. Encore. Hyper, ça ne se voit pas. On continue. On touche pas les plots. Un tour à gauche, un tour à droite. Milieu. On tourne. On tourne. On tourne. Regardez devant vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y va. Encore à gauche. Encore à droite. On arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux fois encore. Allez. I. A. Go. Encore une fois. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. À fond. Ok, relâchez. C'est super. Les enfants, on va un petit peu travailler les coups de pied sur ces Jibengong, qui sont des travails de base dans le Kung Fu. Alors, on commence par le coup de pied relevé ici, avec, regardez la position de mon corps, bien droit ici, les bras tendus et les poignets cassés ici, clac, comme deux blocages ou deux poussées. J'avance la jambe gauche ici, et je lance ma jambe droite tendue. Ok, je vous montre au ralenti, hop, je la lève ici, là en soufflant, et je reviens. Et même chose de l'autre côté. Ok, allez, on va le faire ensemble, on va le faire 10 fois à droite, puis 10 fois à gauche. Ok, vous êtes prêts? Prêt? J'avance le pied gauche. J'expire, mes bras ne bougent pas, mon dos reste droit. Ah. C'est bien. 5. Ok. Sur. Bon. Yo. Chi. Ba. Chop. Échappe. Ok, super. L'autre jambe, la même chose.
Restez bien droit, évitez de enrouler votre dos, d'accord? On n'enroule pas le dos comme ceci, on garde le dos droit, et on lance la jambe droite. Si on ne monte pas le pied très haut, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir le dos droit et la jambe droite. Ok? Allez, ensemble. Super. I. A. Les bras ne bougent pas. San. Se. Wo. Yo. Chi. Ba. Jo. Sha. Et on relâche. C'est bien, super. On va passer maintenant à un autre coup de pied. C'est le coup de pied extérieur, intérieur, qui vient faire comme un essuie-glace sur un pare-brise. De l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est la jambe arrière qui va frapper. On commence par la jambe droite, d'accord? On tend ici. On va essayer d'aller toucher sa main avec sa chaussure. Ok? Et la jambe tendue. Comme ceci. Et on revient. Ok? Pour ceux qui sont moins souples, c'est pas grave. On touche pas la chaussure et on fait le mouvement. Ici, l'important, c'est d'avoir la jambe tendue. On ne plie pas la jambe et le dos droit. On ne le plie pas en avant. Allez, c'est parti. Ensemble. Hop. Hyper. Un. Et je ramène derrière. Un. Allez, on continue. San. Sa. Wo. Yo. Chi. Ba. Jo. Sha. Super. Ça fait 10. On change de jambe. La même chose. De l'autre côté. Elle vient frapper de l'extérieur vers l'intérieur, vers notre main. Hyper. I. A. San. Sa. Wo. Yo. Chi. Ba. Jump. Et sha. Ok, c'est bien, super. Génial. Les enfants, on continue sur un autre coup de pied qui est exactement l'inverse de celui qu'on vient de faire. C'est le intérieur, extérieur. Avec toujours la jambe arrière qui frappe, on commence par la jambe droite derrière, on tend les bras, ici, on lance la jambe ici, on attend et on réalise la frappe. Dans l'idéal, on vient ici toucher la main, d'accord, comme ceci. Si on n'est pas assez souple, ce n'est pas grave. Gardez votre dos droit, la jambe tendue et cela suffit, tant que c'est juste, d'accord? Mais ne vous voûtez pas et ne pliez pas votre jambe. Vous êtes prêts? On le fait ensemble. Hyper. I. A. San. Se. Wo. Yo. Chi. Mo. Jo. Sha. Super. L'autre jambe maintenant, la même chose et de l'autre côté. Super. I. A. San. Se. Wo.
Yo. Chi. Ba. Jo. Et cha. Super. Relâchez bien. On inspire. On expire par la bouche. Encore une fois, on inspire. Et on expire par la bouche. C'est très bien. Maintenant, ici, on va faire le coup de pied latéral. C'est-à-dire qu'on frappe du côté droit et ensuite on frappe du côté gauche, dans la direction. Je regarde à droite, mes poings sont armés aux hanches. Je monte mon genou devant moi et je pousse avec mon pied vers la droite. Et je repose. Vous avez compris les enfants? Même chose de l'autre côté. Je regarde à gauche. Je monte mon genou devant moi, le plus haut possible. Et je pousse en expirant. Et je pose. Vous avez compris, on va le faire ensemble. On va le faire 10 fois. Allez, hip. On regarde à droite, on commence à droite. I. Ok. À gauche. A. C'est bien. À droite. San. À gauche. Sa. Ok. À droite. Wow. À gauche. Yo. À droite. Chi. À gauche. Ba. À droite. Cha. À gauche. Cha. Et on relâche. Soufflez. Pour finir avec les jibangong et les coups de pied, on va travailler avec le coup de pied fouetté qu'on vient taper avec la main ici. Ok? Donc, il faut frapper avec le pied bien en pointe. D'accord? En pointe. Ici. D'accord? Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que la main vienne toucher la chaussure. Ok, pour faire un maximum de bruit. Ça peut faire un petit peu mal aux mains, mais c'est pas grave, ça vous renforce les mains pour avoir des mains solides. Allez, vous êtes prêts ensemble? On commence par le côté droit. Il fait I. C'est bien. Allez. A. San. Se. Wow. Yo. Chi. Ba. Jo. Che. Et on relâche. Super les enfants, c'est bien. Allez boire, vite fait, et revenez vite.
Les enfants, sur cet exercice, on va travailler un blocage plus une frappe de tigre. Tout d'abord, il faut que vous sachiez placer votre main en position de tigre. Donc la position du tigre, on casse le poignet ici, on arme les doigts comme ça, légèrement espacés. Voilà. D'accord? Patte du tigre. Vous m'en disiez, c'est bon? Parfait. Cette frappe du tigre sera une frappe directe, comme un coup de poing direct, sauf qu'on a la patte du tigre. J'arme ici, mon tigre derrière moi, je vais frapper là-bas, je tends le bras, frappe du tigre. J'arme ici, frappe du tigre, en direct. Coup direct, frappe du tigre. Ok les enfants, on va voir la frappe du tigre ensemble. On arme les mains en forme de patte de tigre avec les griffes. On va frapper devant soi. On est en position mapu, plutôt haute la position. Et on frappe devant soi. Un. On revient et quand on revient, l'autre frappe en même temps. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on relâche. On fait la même chose, sauf que cette fois, on donne deux frappes les plus rapides possibles. On arme ici. Je vous explique, je vous donne le signal et on frappe deux fois. Ok? Expirez à chaque fois. Vous pouvez même crier si vous pouvez, si vous voulez, si vous pouvez. I. A. San. Expirez, soufflez par la bouche. Sa. Wo. Yo. Chi. Ba. Chou. Cha. Ok. Super. Maintenant, écoutez bien la consigne. Les choses se corsent un petit peu, on rajoute de la difficulté. Donc, soyez concentrés. On va rajouter un blocage avant la frappe du tigre. Le blocage part d'en bas. Il passe devant vous, devant votre visage. Il vient s'arrêter ici. Ensuite, d'ici, on frappe. Et on passe devant le bras qui bloque, devant son blocage. Ok, on le fait ensemble, c'est parti. J'arme le tigre ici à ma hanche droite. Je regarde à gauche. Le blocage passe devant moi. Je bloque et je frappe. Ok, c'est bien. Encore. I. A. Sa. Se. Wo. Yo. Chi. Super. L'autre côté maintenant. C'est le bras droit qui va bloquer et la main gauche qui va frapper en tigre. On regarde à droite. Par ici. Le bras passe devant. Il passe devant mon visage. Le poing est au niveau de mes cheveux, du haut de ma tête. Il s'arrête ici et je tends le bras, je frappe en direct avec la patte du tigre. Allez, ensemble, I. C'est bien. A. C'est bien. San.
Ouais, super. Sœur. Génial. Wow. Blocage. Frappe. Le blocage et la frappe sont puissants, d'accord? Chi. Ok, super. Bas. Bien, encore deux fois. Jour. Et attention aux positions là, il y en a qui se relèvent, qui sont debout avec les jambes tendues. On a les jambes fléchies, on a un mapou. Une dernière fois. Chop. Ok, c'est pas mal. On relâche. C'est très bien les enfants, je suis fier de vous. On continue sur le même exercice, mais en plus difficile. Maintenant, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire celui-là. 1, 2. Sauf que je vous donne qu'un signal et vous le faites le plus rapidement et le plus puissamment possible. Ok? Exemple, jambe ici. I. Vous avez compris? Allez, ensemble. On fait. I. C'est bien. On va le faire 10 fois. Allez, concentrez-vous. A. C'est bien. Tigre ici. Préparez-le. San. Ouais. Se. C'est bien. Bon. Yo. Chi. Très très bien. Ba. Ok. Cho. Le dernier. Cha. C'est super. L'autre côté. On regarde à droite. On arme la main gauche. C'est le point droit qui va bloquer. Je ferme le point. 1, 2. Ok. Allez, préparez-vous. Ipe. I. C'est bien. A. Encore. San. Allez, concentrez-vous. Mettez de la puissance. Ça. Expirez quand vous bloquez, quand vous frappez. Vous m'entendez? J'expire. Je souffle par le nez ou par la bouche. Si vous le pouvez, vous pouvez légèrement crier aussi. Bah. Chaud. Préparez-vous. Jo. Allez, le dernier. Cha. C'est bien. Relâchez. Soufflez. Allez voir. Thank you.
Les enfants, je suis fier de vous, vous en sortez très très bien. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est exactement le même exercice, sauf qu'on va rajouter des difficultés. D'accord ? Donc, on va passer en position main-pou, posture du cavalier ici. On va travailler le déplacement gumbo, position arc-et-flèche, hop, ici. Main-pou, gumbo. Main-pou, gumbo. Mettez les mains bien ici pour sentir vos hanches, ici. Main-pou, le dos droit, on regarde devant soi. Gumbo. Main-pou, gumbo. C'est bien. Main-pou, l'autre côté. On change de sens. Gumbo. C'est bien. Mabo. Gumbo. Mabo. Gumbo. Ok, vous avez compris le système. Mabo. Gumbo. Les hanches se tournent et la jambe se tend. Ok. Allez. On va rajouter tout ce qu'on a vu avant avec les positions et le changement de position. Je vous montre une fois. Écoutez bien, regardez bien. C'est important. Mabo. Tigre. Je vais frapper vers là-bas. Blocage ici. 1. Blocage. 2. Frappe et je passe en gumbo. Vous avez vu ? Je reviens. Tigre ici. Blocage ici. Je regarde là-bas. Blocage 1. Et la frappe en passant en gumbo. Et on frappe en tigre. Ok ? Vous avez compris ? Allez, ensemble. C'est parti. On descend en main pot. On a en deux temps. I. Blocage. Hop, je change de position et je frappe. Je repars. I. Blocage. Ah, je frappe en position arc et flèche. C'est bien. Ça. Ça. C'est bien. Wow. Yo. Ok, tout se fait en même temps, vous voyez, la frappe et la position gumbo. Chi. Blocage. Ba. Frappe en gumbo. Jambe tendue. Le talon est bien collé au sol. On repart. Jo. Sha. Ok, c'est bien. Même chose, mais de l'autre côté. Main pou, on regarde à droite. On va bloquer avec la main droite et on arme le tigre ici. Allez, en deux temps. I. Ah. C'est bien. On repart. Main pou. San. Se. Oui. Cassez bien votre poignet. Wow. Lion. Oui. Chi. Ba. Oui, c'est bien. Attention aux positions. Jambes fléchies, dos droit. Jo. Ok, allez, on relâche un petit peu les jambes. Si ça pique les jambes, c'est normal, vous inquiétez pas, d'accord? Ce sont vos muscles qui travaillent.
On va le faire en un seul signal. Vous faites tout le mouvement ensemble. Ok? Vous êtes prêts? Allez. La peau armée. I. 1. 5. 6. 1. 6. Ok. On lâche un peu les jambes. La même chose de l'autre côté, vers la droite. Allez, c'est parti. Ma peau. Posture du cavalier. En arme. C'est parti. I. Attention à la position. 5. Le blocage bien haut, bien grand. 5. Ok, c'est bien. N'allez pas trop loin avec le bras. 1. Encore. 2. Super, allez. Bas. Chop. Chop. On relâche. Allez voir. Maintenant, pour finir, on va faire un retour au calme en s'étirant pour gagner en souplesse. C'est super important d'être souple, d'accord? Pour pouvoir déjà donner des coups de pied amples et hauts, et puis avoir de la puissance, et aussi avoir de meilleures aptitudes physiques pour plein de choses, pour prévenir des blessures par exemple. Allez, c'est parti, on se met en position papillon. Allez, on descend, on souffle. Allez le plus bas possible. Et on compte jusqu'à 20. Il faut rester 20 secondes pour gagner en souplesse. Allez, c'est parti. 20 secondes minimum. I. 1. Allez, allez. On descend bien bas. On tire. On revient doucement. On tend la jambe droite. Allez, on descend. La jambe droite est bien tendue. On attrape le tibia. Si on peut, on attrape le pied avec les deux mains. On souffle le dos droit, la jambe tendue. On souffle, on descend. Allez, 20 secondes.
allonge tout doucement. On ramène la jambe. On tend la jambe gauche. Et on fait la même chose de ce côté. Allez, j'ai entendu. Orteil vers le ciel. Dos droit. Je souffle. On descend. Allez, on étire bien les enfants. Allez, allez. Ça doit tirer derrière la jambe et derrière la cuisse. Il faut tenir minimum 20 secondes si vous voulez gagner en souplesse. Ok, c'est bien, on relâche tout doucement. Allez, maintenant, on passe dans cette position-là. Regardez-moi. Ici, pied à plat, main sur la hanche, je plie le genou. Ça doit tirer ici au niveau du psoas. C'est le petit muscle qui se trouve juste au-dessus de votre cuisse. On descend bien bas. Ça doit tirer les enfants. Allez, allez, on relève le dos. On tient. Dix secondes. 15 secondes. 20. Ok. L'autre côté. Hop. On tourne. La même chose. Descendez bien. Secondes. 10 secondes. Allez, allez, on étire. 15 secondes. Et 20, c'est bien. On repasse dans cette position-là. Sauf que cette fois-ci, on tend la jambe de devant. Et on met les orteils vers le ciel. Et on va faire l'écart latéral, grand écart latéral. Cette jambe-là, on la recule. On garde le dos droit. On met une main de chaque côté de ma jambe avant. Et je recule ma jambe arrière. Je vais chercher doucement mon maximum. Une fois qu'on y est, on va compter ensemble. Sans les mains. C'est parti. I. 5, 10 secondes, 5. Et on revient tout doucement, sans forcer. Voilà. Même chose de l'autre côté. On tend la jambe devant soi, orteil vers le ciel, on met les mains de chaque côté, on recule la jambe. Allez, c'est parti. I, A, San, Se, Wo, Yo, Chi, Ba, Cho, She. I, A, San, Se, Wo, Yo, Chi, Ba, Cho, She. Et on revient tout doucement, sans forcer. Ok, super. Il nous reste le grand écart facial. Donc lui, on commence comme ceci. Hop, on écarte, on écarte. On écarte ici. On passe sur les talons. On recule les mains. On essaie de tenir la position. Et on s'assoit. Hop. Voilà. Je souffle. Je descends. Les jambes bien tendues, le dos droit. Allez, 20 secondes.
5, 10, 15 secondes. Et 20. On revient tout doucement, sans forcer. Voilà. Comme ceci. Pas d'un coup, pas de geste brusque en s'étirant. Hop. On se plie un petit peu. Les enfants, je suis très fier de vous. Vous avez fait vraiment du bon travail. Vous avez bien bossé, vous avez été concentré. Vous avez fait de très beaux gestes techniques, vous êtes très bien entraîné. Je vois que vous progressez, il faut continuer, surtout entraînez-vous le plus possible, le plus longtemps et le plus souvent possible. D'accord ? Maintenant, on va tous saluer ensemble. Pieds joints, droit, hyper, chingli. Les enfants, merci à tous. Bravo les guerriers, vous êtes les meilleurs, vous avez tout donné et ça c'est génial, vous avez super bien travaillé, votre Kung Fu était très beau. Je sais que derrière cet écran, il y a des élèves à moi, mais il y a aussi des enfants qui ne me connaissent pas. Et pour ceux à qui ça a plu, eh bien foncez, cherchez un club autour de chez vous pour pratiquer le Kung Fu Wushu. C'est un martial chinois qui est juste très riche et extraordinaire. Donc recherchez un club autour de vous et allez vite vous inscrire. En attendant, je vous invite à, s'il vous plaît, commenter un maximum mes vidéos, dites ce que vous en pensez. Ensuite, s'il vous plaît, c'est important, abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez un maximum pour faire vivre ma chaîne et faire vivre en même temps le Kung Fu. Et si vous voulez me donner un petit coup de pouce, il y a le lien sur Tipeee qui me permet en fait de financer tout ce que je fais. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Ça a un certain coût également. Donc si vous pouvez me donner un petit coup de pouce avec un petit don, un petit pourboire, donc c'est sur Tipeee, il y a des liens partout, en bas dans la description ou sur l'écran final. Sur ce, les Kung Fu Kids, récupérez bien, pensez qu'il faut une alimentation équilibrée, ne mangez pas trop gras, pas trop sucré et pas trop tout court, hein. Mangez juste ce qu'il faut, pensez aux légumes. Hydratez-vous bien, buvez bien, étirez-vous, faites du stretching, étirez-vous le matin, le soir, le plus possible. Bien sûr, entraînez-vous un maximum pour devenir de futurs champions et ayez aussi un bon rythme de sommeil. C'est important le repos, la récupération. Pas de tablette, pas de smartphone le soir, ok? Je compte sur vous. Allez, maintenant, je vous dis tous un grand merci à tout le monde et je vous dis à très bientôt sur Wushu Tao.